Aujourd'hui, on a appelé à nouveau à la grève et à la manifestation et qu'on va continuer sur l'ensemble de la semaine à multiplier les actions. On sera devant le rectorat vendredi midi dans le cadre du CSA académique et puis on poursuivra jusqu'aux vacances et au-delà. On a des rendez-vous prévus déjà pour montrer que la mobilisation, elle se durcit et qu'on ne lâchera pas tant que les projets ne seront pas abandonnés. Bon, un, c'est l'opposition à ce qu'ils appellent le choc de savoir, qui est en réalité une politique assez réactionnaire. Groupe de niveau dont on sait que ça accentue les inégalités et c'est pas efficace. Remise en question, remise en place de redoublement, accès sélectif au lycée renforcé, etc. Problème. On a aussi un problème de moyens. On veut quand même signaler à ce gouvernement que ça fait 5 ans qu'il réduit les moyens, notamment dans le second degré, mais aussi dans les écoles. Et troisièmement, il y a la question des salaires. Alors nous, au niveau de tous les personnels non enseignants de l'éducation nationale, on revendique des revalorisations salariales. On revendique aussi et surtout des postes, des créations de postes, puisque en fait, les départs à la retraite ne sont pas forcément remplacés. On a une charge de travail de plus en plus importante, que ce soit dans les services administratifs, que ce soit dans les établissements scolaires, tous les personnels infirmiers, assistants sociaux, psy, médecins, en fait, se retrouvent avec des secteurs et des établissements à courir de plus en plus importants, avec des élèves aussi qui ont des difficultés, qui sont de plus en plus reconnus et dépistés et autres.